et bienvenue sur InfoLive TV. Je suis Noémie Blomberg et je vous présente les informations d'aujourd'hui. Les rebelles syriens ont accusé le régime du président Bachar el-Assad d'avoir transféré les armes chimiques vers les aéroports à la frontière. Ce transfert a lieu au lendemain de la menace d'utiliser des armes en cas d'agression extérieure. D'autre part, les rebelles syriens ont refusé le soutien et l'assistance d'Israël proposé par Avigdor Lieberman, ministre des Affaires étrangères. Dans le monde, les sanctions internationales contre le programme nucléaire iranien sont controversées. En Iran, les prix montent, l'économie est au bord du gouffre et le peuple proteste. Hier, des centaines de milliers de citoyens sont partis manifester contre la hausse des prix. À l'approche des Jeux Olympiques, Israël craint une attaque iranienne contre ses athlètes. Le dispositif de sécurité a été renforcé. De leur côté, les Iraniens ont annoncé qu'ils accepteraient de jouer contre Israël. Les athlètes doutent de cette déclaration. Restez sur InfoLive et regardez notre reportage. Avec une caméra cachée, des célébrités égyptiennes pensent se trouver dans une émission de télé israélienne. Vous verrez les dégâts. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.